Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo. Avec moi. Voilà, une petite face cam à l'extérieur parce que du coup il fait beau aujourd'hui. On a un peu de vent, un peu de voilà, des petits oiseaux qui volent autour de nous. Donc c'est tout mignon. Ça colle bien avec mon chat qui arrive en courant. Ça colle bien avec le, elle est toute Je suis en contente. train de voir. Ça colle bien avec le nouveau style de la chaîne. Comme vous l'avez vu, j'ai changé le nom de la chaîne et des réseaux sociaux qui sont donc avec la chaîne. Je vais vous faire une petite vidéo à l'extérieur justement. Vous en aurez souvent des petites vidéos à l'extérieur à partir de maintenant. Donc voilà. Donc du coup, vous aurez vu qu'il y a beaucoup de changements qui se profilent pour nous pour l'instant. Déjà notre déménagement puisque c'est la dernière fois que vous allez voir cette harpe. Voilà. Mais c'est la dernière fois donc vous allez voir une vidéo extérieure dans cette maison-ci. J'en ferai évidemment plein d'autres à la nouvelle maison, mais on vit en ville donc ça sera plus compliqué. Donc j'essaierai de trouver chaque fois des petits cadres agréables pour faire les vidéos. Donc voilà, donc, je voulais vous prendre pour vous dire donc que j'ai changé le nom de la chaîne qui s'appelle maintenant Notre vie en tribu parce que comme vous le savez, on a décidé de déscolariser les enfants à partir de maintenant et de les scolariser à la maison. Donc il va y avoir évidemment des changements sur la chaîne. On va devenir, comme on l'a dit, minimaliste. C'est-à-dire que c'est pour ça que pour le moment dans la maison, il y a beaucoup de désordre parce qu'on est en train de sortir toutes des armoires, etc. On est en train de trier, on est en train de voir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas utile. Et surtout, on veut vivre une autre vie, on veut changer de vie, changer notre manière de voir les choses. Et ça passe d'abord par un grand tri, un tri qui avec des gens autour de nous, on a trié, c'est fait, donc ne vous tracassez pas. Si vous êtes toujours dans mon entourage, c'est que vous n'étiez pas, c'est que vous n'étiez pas parti de ce tri. Donc il y a beaucoup de gens avec qui j'ai arrêté. Si, il y a un tracteur qui passait, avec qui j'ai arrêté de parler, de fréquenter parce que je l'ai trouvé un peu nocif. Et on a également donc fait un tri dernièrement dans tous nos meubles, dans toutes les choses qui ne sont pas pour moi utiles. Et il y a Titi derrière. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur la chaîne. Donc, sur le fait qu'on va devenir minimaliste, qu'on va également changer notre moyen de. Notre, je veux dire, notre façon de consommer. On va essayer de consommer plus éco-responsable. Donc, de manger plus de choses bio en vrac, essayer d'aller chercher nos fruits et légumes chez les primeurs de notre ville, aller plus vers des boucheries et pas acheter la viande pré-emballée, essayer d'utiliser des soda stream, des choses ainsi. Et donc de vivre mieux, là on va prendre des couches lavables pour Angelina, enfin voilà, on a décidé évidemment de changer tout ça et également de changer de maison, de faire un grand bouleversement dans notre vie, on vit dans une maison, voilà, on vit dans une grande maison, elle est très grande, voilà notre maison, c'est tout ça, avec un grand jardin, oui, à la campagne, voilà, et on va dans une maison, donc ici elle fait 210 mètres carrés. Je pense. Et on va vivre dans une maison qui en fait 160, je pense, 170, un truc comme ça. Donc elle est beaucoup plus petite et donc on a envie de vivre simplement. On n'a plus envie de vivre d'une manière stressée, d'une manière conventionnelle, je veux dire. Et donc du coup, vous allez évidemment voir des changements. Alors, vous n'allez pas avoir de gros changements parce que vous allez toujours avoir des vlogs comme je le fais. Sauf que les vlogs que je fais maintenant vont être des vlogs plus tournés évidemment sur le quotidien d'une tribu puisque les enfants étant déscolarisés, ils vont être à la maison en âge 24. Ils vont être en âge 24, ces petites choses-là. Et donc du coup. Maman, j'ai pas de bol. Quand je me suis arrêtée avec le vélo de Vénitia, et ben j'ai marché dans un nid de fourmis orange. Aïe! Et donc du coup ils vont être en âge 24 évidemment avec moi. Sauf Angelina, je vous mets la vidéo ici en info pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'Angelina sera elle dans le circuit scolaire, mais elle ne sera pas dans le circuit scolaire traditionnel. Elle sera
en école spéciale pour enfants handicapés locomoteurs. Donc du coup, elle sera scolarisée, mais on ne sait pas à partir de quand, puisque il faut voir avec le coronavirus, etc., avec la sécurité au niveau des écoles, etc. Donc voilà. Mais sinon, les trois grands vont être scolarisés à la maison. Ils seront suivis par le ministère Wallonie-Bruxelles. Et l'après-midi, ils auront du house schooling, c'est-à-dire l'instruction, pas vraiment en famille, mais l'autonomie. Et donc, il y a beaucoup de choses, Montessori, etc. Enfin, voilà. Donc, vous découvrirez ça également. Et vous verrez aussi que les retours de course ne seront plus comme maintenant, des retours de course uniquement Lidl. Vous aurez des retours de chez Monprimeur, vous aurez des retours de chez le boucher, vous aurez des retours de chez mon magasin bio, fromagerie, etc. Donc, tout sera peut-être plus proportionné. Maman, ça c'est pas cool, c'est pourquoi on a oublié de rentrer les Et vélos non, pour et freiner il a la pluie. plu, mais oui, mais on était parti quand il a plu. Le dernier Oui. frein qui nous restait pour freiner, ben il a été rouillé. Ah ben oui, mais ça, il faut refaire les vélos avant de partir, de toute manière. Ouais, du Donc coup. voilà, donc il va y avoir plusieurs petits changements sur ça. Il y aura des vidéos évidemment explicatives, il y aura des vidéos sur la pensée positive, sur les choses ainsi. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont essayé l'éducation positive avec les enfants et que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas toujours tout de suite non plus, hein. C'est pas les miens, malgré que je fais l'éducation positive, c'est-à-dire l'éducation sans cri, sans punition. Il faut savoir qu'il y a des moments où voilà, c'est pas facile et qu'on est obligé d'adosser de temps en temps un peu le son de la voix quand même. Et sur les adolescents, ça a tendance à moins marcher, mais c'est possible, il suffit voilà, d'arriver à avoir un contact avec l'adolescent. Mais voilà, je vous expliquerai un peu tout ça. Donc voilà, donc il va y avoir, comme vous l'avez vu, le premier changement sera le minimalisme. On va se défaire de tout ce qui n'est plus utile. Le deuxième point sera la déscolarisation de ces petites choses-là qui vont faire l'école où? Je peux les prendre. Tu vas faire l'école où? Je vais faire l'école à la maison. À la maison? Ouais. Et t'aimes bien? Ouais. Et pourquoi tu vas plus à l'école alors? Je sais pas. Tu sais pas? Et pour l'instant, pourquoi tu vas pas à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le corona. Il y a le corona? Et qu'est-ce que c'est le coronavirus? Ben, c'est un virus qui se faufile vite. Oui. Donc voilà. Donc du coup, ils sont scolarisés à la maison parce que simplement le circuit scolaire normal ne me donnait pas la satisfaction que je voulais. Voilà, simplement. Je suis quelqu'un de peut-être un peu difficile, un peu titilleux sur l'avenir de mes enfants, mais c'est eux l'avenir, donc c'est normal. Donc voilà. Donc ça sera le minimalisme, la déscolarisation des enfants et la scolarité à domicile. Ça sent mauvais qu'on dit. Attends, regarde. Oh, C'est les chevaux. ça sent mauvais. Oula, Et donc, du coup, oui, elle a voulu venir avec. Elle est assez bruyante. Elle s'exprime. Ils ont fait 1 heure de voiture, donc ils sont un petit peu nerveux. Et du coup, le troisième point sera la manière dont on va manger, dont on va s'alimenter et dont on va évidemment consommer de manière plus écologique. Alors, on ne va pas prendre des articles bio dans un supermarché, bien évidemment. Ça ne sert à rien puisque ces articles bio ne sont pas vraiment bio et en plus, ils sont toujours emballés dans du plastique, donc c'est un peu ridicule. Alors, on n'est pas complètement zéro déchet du tout. On ne le sera d'ailleurs pas parce que on n'est pas dans le mood zéro déchet non plus. C'est pas ce qu'on veut. Mais on fera en sorte d'avoir une empreinte le moins possible sur la planète et sur cette belle nature qu'on a la chance d'avoir. Et donc voilà, donc ça sera tous des petits changements qui vont arriver. Ça va arriver d'ici un mois, même plus maintenant, parce que le déménagement aura lieu le 1er juin. Donc voilà, évidemment, la première vidéo que vous aurez sera le home tour d'une maison minimaliste. Et puis ensuite, on enclenchera alors sur d'autres petites choses. C'est Myrtille qui se fait caresser. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer un peu tous les changements de notre vie. Tout ça est arrivé, je pense, oui, peut-être à cause du coronavirus. On s'est peut-être rendu compte qu'on était passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire le temps. Le temps qu'on a sur cette planète, le temps qu'on nous donne sur cette planète, le temps qu'on me donne avec les gens qui sont autour de moi. On a toujours cru que notre rôle de parent, c'était de crier, de punir, d'envoyer les enfants à l'école, de les nourrir, et puis voilà. Mais c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas ça le rôle des parents, c'est aussi d'apprendre des choses à ses enfants et d'avoir la chance de passer du temps avec eux. Et j'ai la chance de pouvoir
passer ce temps avec eux puisque je suis femme au foyer. Donc voilà. Donc, du coup, je, en tant que femme au foyer, je peux me permettre de faire l'école à la maison et de m'occuper de mes enfants, alors que mon mari, lui, travaille à temps plein. Donc c'est un peu différent pour lui. Sinon, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura expliqué plein de petites choses. Oui, mon chat à l'arrière qui court. Vous aura expliqué et vous aura fait aussi prendre conscience de plein de choses, qu'on a la chance d'avoir la nature, qu'on a la chance d'avoir tous les gens. Il y a toujours du positif dans tout. Et donc, voilà. À partir de maintenant, je vous inviterai à sourire au moins une fois sur la journée et avoir au moins une pensée positive sur votre journée. Ça sera déjà un grand, 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 grand point. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très, très vite pour notre nouvelle aventure. Ouais. Tu diras au revoir tout le monde.